La sculpture d'argile chemine vers une nouvelle destinée, le feu, la transformation. Me voici dans l'atelier il y a 20 ans. Je donne naissance à la sculpture que j'emmène au four aujourd'hui. Je veux créer un four qui attise l'imagination, un four qui réchauffe l'âme. Ce premier personnage est une offrande à la création. Il disparaîtra ensuite à l'intérieur de la sculpture. Avec des briques, je construis la base qui recevra la coupole. Quelques branches me servent d'armature pour le dôme. Le grillage me permet de tresser la charpente. Les dernières finitions de la sculpture. Avec des affiches enrobées de barbotines, je façonne la voûte. Voilà, la première couche est posée. La nuit tombe, le jour se lève. Je reprends mes pinceaux. Une nouvelle journée.
징기를 만난 날 할리가 돌더서 지치기 쓰는 내일에 쇼긴 낮이 썰어서 호라간 벨치를 대해 노조를 논타다 허위티리게 되고 뜸이 더러선 은침 호락에 도사들 뜨게 해지면네. 약대모 어떤 하루를 떠나 빈아들 떠올라. Merci l'ami de me donner la parole.
vieux volcan. Glisse tes ailes sous le tapis du vent. Voyage, voyage, éternellement. De nuages en marécage, de vent d'Espagne en pluie d'Équateur. Voyage, voyage, vol dans les hauteurs. Au-dessus des capitales, des idées fatales. Regarde l'océan. Voyage, voyage, plus loin que la nuit et le jour. Voyage dans l'espace infini de l'amour. Voyage sur l'eau sacré d'un fleuve indien. Voyage et jamais ne revient. Deux soirées intenses près du feu, sous la voûte étoilée, une communion avec l'univers. L'ouest est un effluent, des axes déréglés, il s'éveille, répand des rives allongées, elle brandit aux aurores des lames dans le noir et lentement se dort. Des midis jusqu'au soir, il ouvre des stries vertes, des coulées d'horizon répand aux ornières des canaux en amont, il s'empare du mot de la terre et des voiles, des jets de lumière, des halos